Salut YouTube, salut les amis, et oui, je suis de retour pour du Star Wars, évidemment, avant la sortie de l'épisode 9 qui espérons sera mieux que cette merde, eh bien on est parti pour du Jedi Fallen Order. Let's go, que la Force soit avec nous. Allez les amis, c'est parti pour ce nouveau jeu Star Wars, Jedi Fallen Order. Bon, déjà graphiquement, ça a l'air lourd. Donc si je me trompe pas, on est à l'époque entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et on commence sur un chantier impérial. Ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super, on y va. Au travail. Par ici. Je suis juste derrière toi. Et voilà, let's go, on commence à jouer. Allez, c'est parti avec un petit parcours. Ah, t'en fais pas. Regardez-moi ça. Ça, c'est du Star Wars. Je le sens pas ça. Allez. Wouhou. Allez, de la glisse. Un slalom dans Star Wars. Quittez ces barges immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet approuvé. Je suis un déchet, mais pas approuvé. En tout cas, jusqu'ici, l'ambiance, elle est réussie. Hé, hey,
doucement. Je fais que passer. Attention, le dis. Je suis pas mis sur ta carte, dis-toi. Finir en avance. Je peux déjà sentir l'odeur des crédits. Ça va être la grosse fête ce soir. Allez, finissons-en avec ça. Cale le casse-cou. Content de te voir. Moi aussi. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. Ouais, bon là, t'as pas intérêt à avoir le vertige. Hein. Des charges ? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Et le parcours continue. Vos pinces. Ça marche. À tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Chantier là. En avant toutes. Bon, on va s'activer. Ouais, t'as bien raison. Et c'est une canonnière de l'ancienne République, ça. Ah, c'est cool. Je demande si on peut la visiter. Des droïdes de combat. Et des casques de clones. Termine avant qu'il commence à découper l'aile. Archenet, Archenet! Dal, actionne le levier de contrôle manuel.
guerrier. À toi. Ok, passe fixé. Ça va? Toujours là. Bon. Tu m'as fichu la trouille. C'est bon. Bouge pas, on occupe. C'est bon, viens me rejoindre. Ah ben voilà, on y est arrivé. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi là, depuis quoi, 4 ans? 5. Celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. Tous ces Jedi, une vraie tragédie. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République, en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie. Pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. C'était quoi? Ouais, ça, ça pue, ça. Oula, c'est gamelle. J'ai crevé là. Ah non. Ouf. Prof, tout va bien? Cal, je peux pas remonter. Prof, accroche-toi. Je glisse. Non, ne lâche pas. Je vais pas tenir. Prof, non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attention, Cal! Bonne queue! Attention! Ce truc arrive à peine à voler! Tiens bon! Prof, ça va? Ouais! Ok, il faut qu'on... On doit bouger, ouais. Allez! Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi? C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. Vu. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a les primes pour les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Oui, d'accord. On doit faire attention. Tiens le coup, Cal. Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cal. Ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... C'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je... Je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici... T'es en danger. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, hein.
Être Jedi à cette époque, c'est pas que tu... Et tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Mais... Je crois qu'il se trouve sur... Nar Shaddaa. Ouais. On va plus voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Bah, oui, il est parti. Nous abandonne ou quoi? Prof? Où tu vas? Qu'est-ce que c'est que... Là que je me retrouve dans l'étoile de la mort, maintenant. C'est déjà maintenant que l'on voit Dark Vador? Étonnant. C'était qu'un rêve. Bizarre. Le train n'avance plus. Ouais. Et c'est mauvais signe. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Let me see your identification. We don't need to see his identification. Inspection de routine. Ouais, inspection de routine, je sais pas pourquoi, mais je la sens mal, les amis. Ouais, ben c'est bien ce que je disais. Ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Deuxième sœur. Je me demande ce qu'est devenue la première. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant. Où tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Moi, j'en connais un qui va faire une grosse bêtise. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors.
Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. Prof. On sait tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Rendez-vous ça, un sabre laser. Je maîtrise le Jedi ! Bon, voilà enfin un sabre laser et de l'action. Contrôle de la perturbation. Ça fait mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici? On se calme. J'ai un fugitif. Eh, c'est pas la peine de le signaler. Jedi! Toujours aussi efficace, c'est pas. Contact confirmé. Abattez-le. J'arrive pas à le toucher. Touche sur la cible. Je peux le battre. Pas le choix. Faut pas que je m'arrête. J'ai préféré me reposer. C'est comme ça que je me prépare. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. On n'a pas le temps de se reposer, Stormtrooper. Il y a des bruits par là. Attrapez-le ! Aucun problème. Il faut faire gaffe. Les effets de ralenti comme ça.
Attends, il n'y en a plus. Il y en a encore. J'aurai ta peau, il disait. Va à l'avant. Arrête le train. En abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant. Descendre. Pas le choix, il faut monter. Voilà notre vaisseau, le Mortis, les amis. On vient t'aider.
êtes-vous? Pas le temps! Continue, allez! On se récupère dès qu'on peut! Eh bien, c'était toi. Quoi encore? On s'est arrêté? Ah, enfin le premier combat au sabre laser. Tu vas quelque part. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Dernier coup que tu portes. C'est trop facile. Tu ne pourras pas toujours fuir. Jedi.
Oh là là, pour viser comme ça, ça doit être une ancienne Stormtrooper. Capitaine! Éteins-moi ce truc et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi? Faire renaître l'Ordre Jedi de ses cendres. Ouais, tout un programme, comme je vois. Vous deux? Et personne d'autre? Oh, on n'est pas assez bien pour toi? Et le Conseil Jedi? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Je leur dis que Obi-Wan est sur Tatooine et Yoda Capitaine, sur Dagobah. Nous allons sur Pogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. Tu dois partir pour vivre ta vie, pour trouver ta destinée. Cal, attention! T'es au courant que tu causes en dormant? Cinglé. Bon, les amis, on va visiter le fameux vaisseau. Hein. Cette air, je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force lié à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant.
Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Un Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe? Non. Alors? Quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment, là-bas? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'Ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi. Ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà un ici, pourquoi Serré a besoin de moi? Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Ouais, ça va, mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Attends, tu le connais? Qu'est-ce que tu sais? Hé, hey, t'en vas pas! T'as piraté ce truc? Merci. Sanctuaire dont Serré m'a parlé. Celui que je recherche doit se trouver ici. Suggestion? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Une tyrolienne? Comment t'as su que ça marcherait? Hein? Tu savais pas? Ça ne bouge pas. Et bien voilà les amis, c'est ici qu'on termine ce premier épisode de Jedi Fallen Order. Et on se donne rendez-vous pour la suite. Ciao ciao !